Comment changer un mécanisme de lève-vitre électrique sur Renault Twingo? Le bruit que vous entendez est dû à un secteur denté usé. Sur cette image, nous pouvons voir que les dents du secteur sont bien abîmées. Les points de fixation du panneau intérieur sont représentés ici en rouge, avec une clé Torx, enlever la vis de maintien de la poignée. Faites de même pour le support de l'interrupteur. Passez ensuite aux quatre vis du bas. Toutes les vis sont déposées, nous allons pouvoir maintenant retirer le panneau. Et dans un premier temps, nous allons enlever le connecteur de l'interrupteur du lève-vitre. Nous allons maintenant débrancher les prises Fasten du haut-parleur. Donc ici, il y a une des deux prises qui est un petit peu récalcitrante. Pas de problème pour le repérage électrique, comme les deux prises n'ont pas du tout la même taille, on ne pourra pas se tromper. Nous allons remonter l'interrupteur du lève-vitre afin de descendre la vitre et d'exposer la glissière du mécanisme afin de pouvoir séparer la vitre du mécanisme. La glissière de la vitre et le mécanisme sont maintenus ensemble par deux rouleaux de téflon et avec un tournevis nous allons séparer le mécanisme de la vitre. Alors attention, parce qu'une fois que vous aurez enlevé le deuxième pion de téflon, et bien en fait, la vitre ne sera plus maintenue et elle va glisser dans la portière. Donc voici ici le pion de téflon sur la partie avant, donc très peu accessible. Pour enlever le mécanisme de la portière, nous devons d'abord mettre la vitre en position haute. Donc nous devons un peu batailler pour passer les deux pions de téflon que nous avons désolidarisés tout à l'heure. Ensuite, avec un bois d'une longueur de 51 cm, on va pouvoir maintenir la vitre en position haute. Nous allons enlever le connecteur du moteur électrique. Bon, la manière est peu orthodoxe, mais bon, néanmoins efficace. Normalement, on est supposé ne pas avoir besoin d'outils pour enlever ces connecteurs. Ensuite, nous allons enlever les quatre écrous de maintien.
Nous pouvons maintenant retirer le mécanisme. Le connecteur du moteur du mécanisme initial n'est pas le même que le connecteur du mécanisme récupéré dans une casse automobile. Nous allons donc devoir procéder à l'échange de ces connecteurs. Je coupe les fils du connecteur à des distances différentes afin que les futures soudures que nous allons faire ne soient pas au même niveau. Il faut maintenant étamer les fils électriques du faisceau de la portière ainsi que les fils électriques du connecteur. Nous allons préparer deux morceaux de gaine thermorétractable qui vont nous servir ensuite à isoler les soudures lorsque nous allons remonter le connecteur, ressouder le connecteur sur le faisceau de la porte. Nous ressoudons maintenant le connecteur au faisceau. Le fil vert avec le fil vert et le fil blanc avec le fil blanc. C'est-à-dire, en l'occurrence ici c'est plutôt le fil blanc et vert. Ensuite nous allons faire rétrécir la gaine thermorétractable. Bon, je fais ça au fer à souder mais ce serait mieux avec un décapeur thermique, mais je n'en ai pas. Pour pouvoir insérer le nouveau mécanisme dans la portière, nous allons devoir le rétracter. Or, ici, on voit qu'il est déployé. Donc, nous allons connecter le mécanisme et nous allons le replier de manière à ce que le pantographe soit bien aligné. Nous allons réinsérer le mécanisme dans la portière. Et remettre les quatre écrous en place. Pour plus de sécurité, nous allons enrouler les deux fils dans du scotch électrique. Et ensuite, nous rebrancherons le connecteur sur le moteur électrique. Nous allons maintenant enduire les petits pions de téflon avec de la graisse. Donc on commence par celui qui est le plus accessible, côté arrière de la porte. Ensuite, nous allons graisser le pion de téflon vers l'avant de la porte
ici représentée par la pointe bleue. Nous allons reconnecter la glissière de la vitre avec le mécanisme. Donc ici, on va repousser le petit pion de téflon à l'intérieur de la glissière. Et on va utiliser par exemple ici une pince multiprise pour faire le travail. Pour le pion de téflon à l'avant, nous allons remonter un petit peu le mécanisme afin de pouvoir faire passer notre pince multiprise. Nous allons pouvoir remettre le panneau intérieur. Donc, on replace la tringlerie d'ouverture de la porte sur ses pions. Ensuite, nous déconnectons le bouton de descente et de montée de la vitre. Et nous rebranchons les fils du haut-parleur. Nous reposons le mécanisme d'ouverture de la porte sur la tringlerie. Nous faisons passer notre connecteur de descente et de montée de la vitre dans le trou prévu à cet effet. Remonter le bouton de commande de la vitre et ensuite vous allez pouvoir revisser les différents éléments. Le travail est maintenant terminé. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres tutos.